Faudrait vraiment que je me fasse un sac à dos. Il me faut de l'or. Ah, donnez-moi de l'or, bordel. Soso fait un feu de camp, c'est fait. Don't worry, je connais les bases quand même. Alors apparemment, oui, il y aura bien une suite. Alors peut-être pas une saison 3 de Walking Dead, mais il y aura un spin-off normalement avec... Ah, la Black. Comment elle s'appelle, la Black? Ah, j'ai oublié. Celle qui s'était... qui avait apprivoisé des zombies, elle lui avait arraché la mâchoire et les bras, je crois. Mission. Normalement, il y a un spin-off de prévu avec elle, qui est prévu pour cette année, mais bon, on n'a pas de nouvelles. Donc je ne sais pas. Halo 5, non, c'est pas pour moi. Mon jeu préféré, Final Fantasy VII. Attendez, niveau ressources, ok. Oh, les abeilles vont là-dessus. Non, mais please. Faites pas chier. Et qu'est-ce que les abeilles font sur une île déserte? C'est n'importe quoi. J'entends une dinde. C'était quoi ce bruit? Alors, les lapins, il y avait moyen de les choper en les coinçant. Et merde. Je sais pas s'il y a moyen. Ah! Attaque-moi ce truc! Chope-le! Mais ouais, mais il sentait. Oh, merde, j'ai pété ma. Oh là là. Ma pioche. Mais les lapins, il y avait moyen de les coincer avec le décor. Comme les dindes, hein, d'ailleurs. Hop. Soso, tu gères grave. Bah, j'ai des restes, mais bon, après. Tout ce qui est nouveau mécanisme, je ne connais pas. Coucou. Donc, d'accord, le tout quand m'a bouffé. Mes graines, merci beaucoup. Les pierres, je crois que c'est par 40. On va en prendre davantage. Bye bye Angel, bonne nuit. On voit encore les hallucinations. Là, là. Si la santé mentale est trop basse, elles deviennent carrément agressives. Quel est le jeu que tu détestes le plus? Ah, il y a eu beaucoup de jeux merdiques hein, sur PS3 ou PS2. Après, je suis pas fan du multi de Call of Duty, par exemple. Pour donner un truc un peu plus récent et moderne. Après, j'aime bien le mode zombie. C'est le seul intérêt que je trouve au jeu. Alors, le nitre, hein, pour l'instant, je laisse de côté. Ah, c'était utile aussi pour les endothermic fire. Qui permettait de faire un feu qui rafraîchit, entre guillemets. J'ai pas vu s'il y avait... Alors ça, c'est nouveau, ça, non? Chiminea, ça me parle pas. Ah, il y a toujours le système d'endothermic fire, ok. Donc en théorie, il y a bien les 4 saisons. Je dis bien en théorie. En tout cas, les abeilles sont pas rouges. Donc normalement, on devrait pas se faire agresser. Faudrait peut-être que je me fasse l'armure de paille, au moins. Ou de bois. Ah putain, j'ai pas l'habitude. Je sais pas où elle est. Elle est là. Il me faut de la corde. Pour faire de la corde, il me faut des brindilles. Elle est où la corde? Oh bordel, je suis perdu dans les menus. Où est la corde? Je sais pas dans quoi ils le mettent. Putain, il y a ce bruit d'abeille, au secours. Bon écoutez, je sais pas où est rangée la corde, de toute façon. C'est peut-être accessible qu'avec la machine, je ne sais pas. En tout cas, je peux me faire une nouvelle fringue. Le chapeau de paille, ok. Non, attendez. Putain, je suis pas du tout familiarisé avec l'interface. Ça, c'est pour la machine. Il me faut toujours de l'or. La paille, c'est où la paille? Tu vois la paille, la corde? Bah merde. Bon, bah écoutez. C'est génial. Salut, Beerus. Comme quoi, j'ai pas tout gardé. Allez, ramasse ça. Ah, salut Nox. Tu as jamais eu de Xbox? Si, j'ai eu la première et la Xbox 360. Donc j'ai testé. Et donc je peux dire que je n'aime pas. J'aime pas. Je trouve qu'il n'y a pas d'exclus intéressante hein, de mon point de vue. Parce que j'aime pas Halo, j'aime pas Forza. Ah putain. Donc pour moi, ça limite... grandement l'intérêt de la console. Ah, de l'or. Alléluia. On va pouvoir se faire la machine. Alors, est-ce qu'on se pose? On fait quoi?
Est-ce que c'est pas trop tôt pour se poser? Ou alors on fait un camp provisoire, je ne sais pas. Ça va, Soso? Oui. Ah, je peux pas prendre l'or. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas grave. Je vais devenir fou. Tout ça pour l'or. Attends, bah, profite-en pour ramasser les caillasses. Hop, les fleurs. Bon. On peut pas les prendre, donc laisse tomber. Petit saurateur perdu dans son inventaire. Bah oui, je sais même pas où sont les cordes. C'est n'importe quoi. Encore de l'or. Il va miner. Alors, il n'y a pas une touche pour qu'il mine en boucle? Non, faut maintenir. Ok. Allez, ramasse tout. Non, calme-toi, calme-toi. Putain, j'aimerais bien trouver un endroit sympa pour me poser. On va l'explorer au sud, là. On quitte un peu la plage. C'est peut-être un peu plus intéressant. Non, bouge. Alors, j'entends un bruit, je sais pas ce que c'est. Un serpent ! Ah ! On va lui mettre des coups de machette. Par contre, j'ai pas d'armure, hein, faut vraiment que je fasse gaffe. Il est où, ce bâtard ? Ah, il y en a plusieurs. Ah ! Il y a trois serpents. Ouais, c'est vachement accueillant, génial. Bordel. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le coucher du soleil? Je ne sais pas. J'ai pas bien fait attention. J'hésite à faire un début de camp définitif. J'ai rien exploré. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez. On va essayer de trouver où se poser avec notre petit... Oh, DB. Ça peut être un bon début, ça, DB, déjà. Il n'y en a pas un peu plus? Si, mais... Tiens, il y a les serpents pas loin, ça me fait un peu caguer. Allez. Hop, donc voilà, maintenant qu'il y a des pierres, le foyer restera là. Ça, tu jettes un instant. Hop. Tu vas faire cuire tes graines. Puis. Cook. Mange. Donc le corail, ça se cuisine pas. Récupère ton or. On va se faire la première machine. Qu'on va écarter un peu. Tu as lu mon SMS, Soso? Wow. Quel SMS? J'ai pas reçu de SMS. Qui me parle? Non, le serpent, j'en ai déjà affronté un. Mais comme là, ils étaient par 3, c'est pour ça que je me suis barré. Alors, faudrait que je me fasse un sac à dos. J'ai combien de brindilles? 18. Bah, attends, il faut se mettre à côté. Ok, sac à dos. Ha ha. Alors, par contre, du coup, je peux pas porter... L'armure en même temps, c'est pas possible. Donc pour l'instant, toujours pas de croque-pot. La barbe commence à pousser. Mais alors du coup, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de... Ouais. Je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est vraiment de la survie à petite échelle. Faudrait que je commence à me faire des coffres aussi. Est-ce que les serpents se sont barrés? Ah, les baies! Les serpents, ça bouffe les baies? Sérieusement? Je dois y aller à plus, bye bye. C'est quoi les yeux jaunes, Soso? C'est pour te faire peur. C'est pour te dire qu'il y a des dangers dans l'obscurité. Et c'est que là, il est à moitié fou, en fait. Parce qu'on voit la santé mentale, là, je suis à 118 sur 200. Il commence à ne plus être sain d'esprit. Donc, il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Banana? Alors si c'est un régime complet, normalement ça devrait bien le nourrir. Hein. Il me faudrait la pelle. Il me faudrait une armure. Il me faudrait beaucoup de choses. Ramasse, 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 ramasse. Ok, continue à couper. Je ne sais pas s'il peut y avoir une créature qui nous attaque. Comme avec les sapins. Pour l'instant... Ah! Deux serpents, mais oui! Sachant que j'ai pas d'armure.
Pourquoi pas? Non, pas shop. Les graines. Merci. Alors, là, il y a pas mal de terriers, entre guillemets, à crabe. Donc, ce qu'on va faire. On va se faire quelques pièges. On va poser là. Hop, normalement, ça devrait faire effet. Pick up. Pick ce machin. Hop. Donc, j'ai un peu de bouffe. Bon, c'est du système D, hein. Ça parle de nouveaux items, tutoriel, ok. On verra un peu plus tard. Tu vas rendre ton perso fou, le pauvre. Bah, il a une couronne de fleurs en journée et sa santé mentale remonte. Hein. Donc on a chopé un petit crabe déjà. Ça, c'est bien. Par contre, ce qui va me manquer ici, j'ai l'impression, c'est les brindilles. Hein. Non, pause. Mais tu te moques de moi, mon gars? Ah non, c'est que je me trompe de touche. Je suis trop habitué à la manette, quoi. Bon, on a de quoi bouffer. Ah, mais les crabes, ils font des bruits chelous. Ah, tu suis où, là? Mais... Merci. Donc là, on va faire un peu de cuisine. Hop, donc toujours pas de croque-pot. On fait de la bouffe, comme ça, petit à petit. Les bananes, ça se cuit. Ah, macaque! Macaque! J'ai pas envie de l'attaquer, le macaque. Il est... Enfin, je sais pas s'il est mignon. J'ai peur qu'il me pique du matos, hein. Attendez, je le surveille quand même. Faudrait pas qu'il fasse mes coffres, par exemple. En plus, j'avais des bananes. J'aurais peut-être pu lui donner... Ah, dégage, le macaque! Il a pas l'air méchant, franchement. Donc ça, c'est nouveau. Macaque! Petit macaque! Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Ah d'accord, si on recule trop, on voit les nuages carrément. Non, non. Non, merci. Il me fait chier à tourner autour du camp, lui. Hein. Bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien de valeur au niveau du camp. Il pique la bouffe. Mais par exemple, si je fais un coffre, il me faut des planches. Comment on fait des planches? Ah! Putain de... Cours! Cours! Ah, mais le macaque me suit! Non! Bon, va buter le... Le serpent pendant qu'il dort. Ah, cours! Mais il pique tout! Macaque! Je vais pas buter un macaque quand même. Mais les macaques, c'est bien connu, ce sont des voleurs. Putain. Dans les pays indiens, par exemple, ils se baladent en ville, ils piquent tout. Et je vais finir par l'attaquer par erreur, là, vu qu'ils se baladent. Arrête de tout piquer! Macaque! Ce saut répond au message, alors je te demanderai plutôt de le reposter, s'il te plaît. Parce que je suis sur deux PC, je peux pas remonter les messages, là. Bon, le macaque s'est barré. Non, attaque le papillon, s'il te plaît. Ah, il revient. Macaque de merde. Je vais finir par le bouffer, le macaque, hein. Bon bah écoutez, je veux pas faire de mal au macaque, mais qui dégage. Oh putain. Et puis il y a des serpents partout, et en fait c'est nul de crotte, on a accès à rien. Je crois que mon camp, je vais pas... Non. Je vais finir par te buter, hein. Je vais me faire une armure, je vais te défoncer, hein. Je te préviens. Ah, il y a des huttes et tout. Il y a des... Araignées. Ah, mes copines, les araignées. Alors, est-ce que ça remplace un peu les cochons? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas d'armure, je me barre. Ah, attendez, il y a peut-être moyen que... Ouais, ça fait de la viande. Ah, mais il se fait bouffer. Non. Entretuez-vous. La soie, c'est une ressource importante également. Ils vont pas bouffer la soie, quand même. Faudra que j'essaie de venir récupérer de la soie demain. Alors, on va revenir vers le feu de camp. Bah, on y est.
Ça tombe très bien. Faut voir d'accord avec armement des perroquets avec chapeau de pirate. Vas-y, mets une bûche. Voilà. Mange ta fleur. Putain, j'ai rien à faire cuire. Avant qu'il fasse nuit. Vite, vite, vite. Check trap. Repose le trap. Repose le trap, il va faire nuit. Set trap, bouge. Bouge, bouge, bouge. Je ne suis pas dans le noir, tout va bien. Add fuel. Voilà, merci. Hop, ok, donc ça, on va le faire cuire, on a besoin de manger encore. Dans ce jeu, les persos sont des morphales. Salut, salut, c'est pas Maca qui te suit, mais c'est moi. Salut, Acid, qui a encore changé d'avatar. Ah, que coucou. Hop, je kiffe, je m'abonne direct. Bah, merci à toi, mon cher Adrien. Alors, si tu as un ami qui s'appelle Chakaponk. Quoi? Non, mais ça, Chakaponk. Oui, non, mais c'est une chaîne de crottes là, ce que tu me décris. Oui, c'est. D'accord. Ok. C'est quoi ton Skype? Alors, c'est Sorator, mais j'y vais très rarement. Donc, quand j'y suis, vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai. Mais je me connecte à peine une fois toutes les deux semaines. Hein. J'utilise quasiment pas Skype. Bon. Il faudrait que je commence à me faire des cordes et compagnie. Mais j'ai pas assez de ressources encore. Putain. Faudrait que je commence à faire de nouvelles choses autour de la machine. Pour pouvoir voyager. Hop. Alors les petits tas de sable, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Mine, oui on mine. On n'a toujours pas tout ce qu'il nous faut. Ah! C'est pareil, de l'or, il n'y a pas l'air d'en avoir en masse. Hein. Si je veux me faire des instruments plus costauds, il me faut de l'or. C'est ballot. C'est vraiment très très ballot. La lance, il me faut de la corde, d'accord. On va se faire la lance, je pense. Pour se défendre. C'est assez utile. Donc il me faut de la corde. Hop, donc la corde, maintenant, je sais la faire. Donc elle est accessible n'importe où. Ah putain, il y a des... Ah, d'accord. Des fringues à base de coquillages, ok. Donc là, il me faut deux cordes si je veux me faire mon armure. Et bien sûr, j'ai pas assez. Clotte de bique. Bon. Sora, c'est pas moi qui ai changé de skin. C'est ce skin qui est venu à moi. En tout cas, je constate que tu aimes les petits nounours. Oh putain. J'ai des brindilles ou pas? Oui, j'en ai. 11. Hop. Bon, les macaques se sont barrés déjà. Ils tournent plus autour de mon camp. Joli camp d'ailleurs. Il y a un feu et une machine. Gros gros camp. Alors je ne sais pas non plus s'il y aura une attaque de chien comme d'habitude. Alors on va se faire la pelle. C'est un outil que j'aime bien. Ça permet de faire un camp plus propre. Elle est où la pelle? Elle est là. Ça tu ramasses. Ça aussi tu ramasses. Je manque de feuillage. C'est embêtant. C'est très embêtant. J'en ai que 3, je peux pas faire tout ce que je veux. Ça manque Kikin. Des planches. Est-ce que je peux faire des planches en théorie? Oui. Donc il m'en faut 3 pour faire un coffre. Ce sera l'occasion de voir si le macaque peut fouiller mes coffres. Et ensuite, voilà, un coffre. On va se le mettre par là. Et on va mettre dedans des trucs pas forcément de valeur. Mais juste pour être sûr que le macaque n'aille pas fouiller dedans. Ça, je sais si ça, on va le garder sur nous. Le bambou, pour l'instant, j'ai rien vu avec. On le range. Ça également...
Ensuite, qu'est-ce qu'on range? Bah, rien d'autre, hein. Le reste, on garde sur nous. Ok. Bon, il me faut un max de bois. J'ai plus qu'une seule bûche. C'est encore les macaques? Attention. Sorator, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'écrit ton Skype? Sorator, tout simplement. Comme mon pseudo sur YouTube. C'est le même. Ah, des bananes! Alors, ce que j'aime bien faire avec la pelle, c'est ça. Hop, comme ça, je ramasse plus de bûches et je replante derrière. Je gère durablement les forêts autour de moi. D'ailleurs, il reste des bûches, là. J'ai pas tout ramassé, hein. Hop. Voilà, digue-moi tout ça. Hop, et on replante. Alors, on va aller voir vers les araignées qu'on a vues hier soir. Juste pour voir si la toile est accessible. Hop, ok. Je préfère remettre la caméra dans ce sens-là. Vas-y, digue encore. Hop. Bon, finalement, c'est pas si mal, hein, clavier souris. C'est plutôt pas mal. Ça dure combien de temps, le direct? Je pense que je vais pas forcément jouer très très longtemps. Histoire de faire deux petites vidéos découvertes. Alors là, il y a eu un carnage. On ramasse tout. Tout est pour moi. Ah, il y a encore un serpent. Ah, au secours. Non, les macaques ramassent tout. Pas l'étoile, s'il vous plaît. Il me faut l'étoile. Ramasse tout, ramasse tout, ramasse tout, ramasse tout. Dégage. Putain, le macaque de merde, il ramasse tout. Putain. J'ai ramassé une toile. Un caca en mousse! Qu'est-ce qu'il y a? Putain, on peut lui donner les bananes. Il s'en bat la race du serpent. Hein. Tuer le serpent au moins! Ah, au secours! La trop de macaques! Oh, please, cassez-vous! Je suis sûr que si tu les attaques, c'est comme les pingouins. Ils sont super dangereux en fait. Alors, est-ce qu'ils vont faire mon coffre? Ces bâtards. Pour l'instant, non. Ouais, ils ont pas l'air de... Non, non. D'ouvrir le coffre non plus. Tue le macaque qui le mérite. Non, non, ils sont trois. Si j'en attaque un, je me fais déboîter. J'ai pas d'armure. Hein. Alors du coup, j'ai du caca. Ça, ça peut servir pour le feu. Ou pour faire un champ de blé basique. Putain, j'ai peur qu'ils bouffent les baies aussi. Oh, le macaque de merde. Ils me font vraiment chier pour le coup. Au moins, ils attaqueraient les serpents. Je dis pas, mais même pas, là. Alors, peut-être, par contre, qu'ils attaquent les araignées. À vérifier. Ou alors, ils font que se défendre. Oh, putain. Le serpent va me faire chier, là. Et ils se barrent carrément. Hein. Ils s'en battent la race. Laisse-moi, merci. C'est à moi. Macaque de merde. Où est le caca? Le caca est là. Oh merde, je me trompe de touche. Ah, maison 1. Merci. Viande de monstre, c'est pas grave, on la bouffe quand même. Elle est où? Elle est là. J'ai ma santé mentale qui est plutôt bonne. Vas-y, cook. Bon, pour l'instant, au niveau bouffe, on arrive à se maintenir. Par contre, j'ai peur qu'il y ait une nouvelle saison qui arrive et qui me dérange complètement. J'espère que non. Non mais, fous ça au feu, merci. Allez, on se remplit la panse. C'est pas perdu de toute façon. Donc ça, ça peut servir à se soigner. On peut faire des pansements avec également. Hop, on va attendre que la nuit passe. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tu l'as eu où le jeu? Bah, il est disponible sur Steam. Arrête tes singeries, Sora. Ouais, hein. Les singeries, c'est pas moi, c'est les macaques de merde. Ah, du vent. C'est nouveau le vent. Ah, les graines se barrent. Ah, je cours moins vite. D'accord, il remercie les arbres. Apparemment, les arbres me protègent.
Il y a toujours ces macaques de merde. Vas-y, récupère la peau. Mais c'est dès que j'arrive en plus qu'il pique le truc, hein. Putain. Avant que j'arrive, ils s'en foutent complètement. Alors, attendez, je regarde vraiment tout ce qu'il y a autour. Alors après, il faut savoir que la mort est permanente, hein. Si je meurs, la partie est finie. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que ça me débloque de l'expérience. Et que, voilà, ça peut me permettre d'avoir de nouveaux persos. Alors par contre, quand j'aurai une armure, j'essaierai de me faire un macaque. Sans penser dégueulasse. Je prends l'humidité. Il commence à pleuvoir. C'est génial. Le jeu, il coûte combien? Alors, faut avoir le jeu de base. Mais juste l'extension coûte 4 euros. Ah non, ils vont me piquer l'or, elles sont. Je crois que c'est 4,50 euros. 49. Hors promo, c'est 4,99 euros. Et le jeu de base, je ne sais pas. Je l'ai acheté pendant les promos soldes qu'il y a eu. Donc faut se connecter à Steam pour vérifier. Alors je pense qu'aujourd'hui, je vais pas reprendre le bateau. Ça me paraît un peu risqué. Faudrait vraiment que j'arrive à me poser, à faire un maximum de matos. Donc c'est-à-dire une armure. Peut-être même la deuxième machine. Ramasse ! Ma craque de merde. Je vais te tabasser, hein. Je suis full life. Putain, il me faut une armure. Parce que même là, si je coupe du bois, il va me le ramasser. Oh, il y a un but dans ce jeu, survivre. C'est déjà compliqué. Mais il n'y a pas vraiment de but. Alors après, il y avait un mode aventure. Je ne sais pas si c'est implémenté dans cette extension. Alors juste pour essayer, on va miner. Voir s'il me pique tout. Ce bâtard veut tout me piquer, on est d'accord. Putain, bon c'est pas grave, on lui a laissé le nitre. C'est pas le plus important. J'ai limite envie d'énerver les abeilles. Juste pour qu'ils se fassent buter en fait. Macaque en mousse. Il me lâche pas. Tu continues Minecraft. Alors on m'a posé la question tout à l'heure. Donc du coup je me répète. Hein. Tout simplement j'attends soit la 1.9 sur PC. Soit des nouveaux biomes sur PS4 pour une aventure avec Asnes ou Floridark s'il récupère sa PS4. Mais bon, il a eu une panne. S'il veut la faire réparer, ça lui coûte 200 euros parce que c'est hors garantie. Et comme en ce moment il a plus de boulot, c'est un peu compliqué. Tac. Allez, on ramasse ça, il m'en faut. J'ai combien de toiles? J'en ai une. Je peux peut-être me faire un filet pour récupérer les abeilles. Ça pourrait servir. Bah, de toute façon, il faudrait que je me fasse un max de pièges pour choper un max de crabes. Pour pouvoir partir en vadrouille sereinement. Ouais, parce que pour tenir une journée, il faut quoi? Faut 5-6 crabes. Le bruit des crabes, c'est n'importe quoi. Hop. La 1.9 est déjà sortie. Non, ce sont les snapshots qui sont sortis. Ils ont ajouté des nouveaux biomes. Que... Ah, j'ai pas compris la fin du message. Alors, je sais pas si tu parles du jeu ou de Minecraft. Hop. Non, mais fini de ramasser tes brindilles, là. Tiens, des graines. Ça fait de la bouffe. Il vaut mieux que ce soit pour moi que pour les macaques. La peau de serpent, c'est sûrement pour faire des nouvelles fringues. Faudra regarder. Je regarde vite fait. Ah, si. Donc on peut se faire une veste. À base de vigne, de dos cassé et de peau de serpent. Ok. Donc c'est bien, l'humidité redescend, la tempête n'a pas duré. Donc je suppose qu'il y a moyen de se faire un abri quand même. De l'or, on va en ramasser, allez. Les macaques sont pas avec moi, on en profite. Hop. Allez, ramasse tout. Hop. Niveau bois, je suis pas à 20. Tu ramasses. Si tu peux avoir des noix de coco en prime, ça m'arrange. Ah! Et pas de serpent aussi, ça m'arrangerait. Elle est où la lance? Putain.
Bon, je me suis pas encore fait toucher par les serpents, je me rends pas compte des dégâts qu'ils peuvent faire. J'arrive à esquiver plutôt bien. Encore heureux. C'est bon. Hop. Donc pour l'instant, j'ai pas subi d'attaque de chien non plus. Je ne sais pas si c'est le cas dans cette extension. Parce que ce serait pas très logique. Hein. Genre, les chiens, ils traversent la mer et ils viennent te chercher où que tu sois. Ça me paraît un peu abusé. Mais en même temps, ça me surprendrait pas vraiment. Mais non, mais... Plante, merci. Allez, avant la tombée de la nuit, on va se faire un autre arbre. Allez hop. La musique du jeu est sympa en effet. J'aime bien. Sora, si je te dis personnage à la peau verte, tu penses à qui? Shrek? Je sais pas. À part Shrek, là tout de suite, j'ai rien qui me vient. Hop. Hop, on replante. Merci. Il y a même les oiseaux qui chantent, c'est trop mignon. Le dernier caca, on va le garder. Attendez, on a encore un peu de temps. Je peux faire une nouveauté apparemment. Ça, j'en ai pas besoin. Le rasoir, ça peut servir. Enfin, en même temps, j'ai pas vu de bœuf. Enfin, c'est pour moi de toute façon le rasoir. Parce que ces poils de barbe peuvent servir. Notamment pour faire une mythe effigie. Qui permet de survivre, je crois. Mais ça te bouffe de la santé max, il me semble. Bon allez, on va mettre l'équivalent des pommes de pin. Hop. Les baies, on va faire cuire, Cook. De toute façon, là, il est en train de crever de faim. Il faut absolument qu'il bouffe. Allez, voilà. C'est bien, là, on est bien remis. Hop. Alors, je vais regarder dans mes coffres, voir si rien n'a disparu. Apparemment, ils ne se servent pas dans les coffres. Donc on va mettre ça. Coquillage. Ça faudrait que je... Faut que je regarde les crafts. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Donc là, vous voyez, niveau santal, on est bon. Niveau santé mentale. Je sais plus parler. Niveau santé mentale. Du coup, dans la nuit, il n'a pas vu les yeux jaunes, par exemple.